Ouais, ça va, tout se passe bien pour le moment, tout se passe bien. Après là, je suis bien intégré, le club m'a beaucoup aidé, m'a trouvé un logement, donc du coup, on a mis la famille à côté, donc ça a facilité l'intégration. Ouais, c'est bien, les installations ici à Duvaucel, c'est bien. C'est bien par rapport à, c'est pareil qu'à Grenoble. Après ce saut, c'est un peu plus grand, c'est un club mythique, c'est un grand club de notre pays, il fait partie des grands clubs de notre pays. Donc après, à Grenoble ou ici à Créteil, pratiquement c'est pareil. Hein. Voilà. Moi, je trouve que voilà, on a une bonne installation. Bah, comme le coach dit, hein, avant la défaite, c'est le travail. Hein. Après, avant la défaite, c'est le travail. Donc, c'était une masse de préparation, ouais, pour préparer le match qui arrive la semaine prochaine. Après, voilà, moi, dans mon philosophie, chaque fois, je dis, hein, on perd jamais. Soit on gagne ou soit on apprend. Ça, c'est des matchs qu'on apprend pour la suite. Et j'espère on a bien tiré des leçons de ce match pour préparer le match qui arrive. Bah, ça va être un match compliqué comme tous les matchs, parce que dans ce championnat, on peut perdre partout, comme on peut gagner partout aussi. C'est des matchs compliqués. Après nous, voilà, on va le préparer, on va bien préparer le match dans la semaine. Et j'espère on va faire le taf. Et voilà, on demande aux supporters de venir nous soutenir. On a besoin d'eux, comme ils le font tout souvent. Donc voilà, ici moi, je suis venu ici jouer. Avec Grenoble, avec Sceaux, mais je vois qu'il y avait une bonne ambiance, les supporters étaient là. Et voilà, j'encourage qu'ils viennent nous soutenir. Et comme ça, on va atteindre l'objectif. Bah, nous, avec les gardiens, on a une bonne relation, mais on a une relation professionnelle. Avant tout, c'est une relation professionnelle. On est là, on travaille, il y a la concurrence, mais elle est saine. Après, nous tous, voilà. On a un bon coach. Bah, c'est la première fois que je côtoie Thierry comme entraîneur des gardiens. J'ai déjà vu l'année dernière quand il était à Versailles. Donc j'ai vu ses gardiens, comment ils jouent. Je parle avec lui. Voilà, je sais comment il veut que son gardien joue. Voilà, il travaille beaucoup l'aspect tactique et anticipation, lecture de jeu et surtout sur les trucs techniques, tout ce qui est basique. Il travaille beaucoup là-dessus. Après voilà, après satisfaction, on peut dire oui, mais après voilà, après nous voilà, on a mis la barre très haute parce que là, on veut finir la meilleure défense de la poule. Après moi, tous les clubs où j'ai passé, on a fait les montées, que ça soit à Grenoble, quand on a fait les montées, on a fini tout le temps meilleure défense. Chaque fois, c'est la meilleure défense qui monte. Donc on va essayer d'amener ça ici, on va être plus de retrouver notre solidité défensive et voilà, de ne pas prendre. Voilà, de ne pas prendre de but. On va essayer de ne pas prendre de but et voilà, essayer de gagner les matchs avec des clean sheets. Après, on verra le résultat final. Ouais, juste mot de la fin de dire merci aux supporters. Parce que nous, on les voit, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, tout le temps, ils sont là. Et ils ne lâchent pas, ils nous encouragent. Et nous, voilà, on demande de continuer ça. Et j'espère qu'à la fin de la saison, on fera une belle fête ici.